Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la commémoration de l'armistice de 1918, de la fin de la guerre et de la paix retrouvée. Mais cet événement est aujourd'hui un peu particulier puisqu'il a fallu s'adapter aux conditions de l'épidémie de Covid. Cette commémoration ne pouvait pas se tenir dans les conditions habituelles ou dans le format habituel, limitation du nombre de présents, absence du public et des anciens combattants et des porte-drapeaux. Même s'ils ne sont physiquement pas là, nous pensons à eux. Cela nous a donc conduit à vous proposer une retransmission en direct de cette cérémonie, et c'est une première pour nous, après les retransmissions des conseils municipaux. Je tiens donc à remercier les services techniques et les élus qui ont participé ou qui ont mis en œuvre cet événement, et donc tout particulièrement Pascal Boyancé et Nicolas Régnier. Enfin, pour terminer cette introduction, je tiens à excuser Madame le maire, qui ne peut pas être présente pour raisons professionnelles, mais qui est certainement avec nous par la pensée. Je vais donc passer à la lecture des soldats morts pour la France en cette année 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e RHC, mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e RHC, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e RHC, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e RHC, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e RHC, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e RHC, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, 4e RHC, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e RHC, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e RHC, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e RHC, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal chef Volodymyr Kribonchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de génie. 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Azina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Et brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Aux morts. Une minute de silence pour les morts pour la France.
C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi les milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves du temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Après ce discours de la ministre, je terminerai cette cérémonie par 2 hommages. Tout d'abord à M. Paul Boireau, qui nous a quittés il y a maintenant quelques mois et qui fut un maire important pour notre commune, qui était unanimement apprécié. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la commune et il était toujours présent pour tous les événements qui pouvaient avoir lieu dans notre village. Et il était encore là lors de la dernière cérémonie du 11 novembre de l'an dernier. C'est un hommage républicain que nous lui faisons aussi. Le dernier hommage que je souhaite donner aujourd'hui concerne les morts de la grippe dite espagnole, qui en fait n'avait rien d'espagnol, mais qui venait des États-Unis. N'oublions pas que si la fin de la guerre a été signée ce 11 novembre 1918, une autre crise s'était déclenchée quelques mois avant et qui a commencé à être significatif à partir du mois d'octobre et qui a duré jusqu'en 1919.
Cette grippe, rappelons-nous que cette grippe a fait entre 20 et 50 millions de morts dans l'ensemble du monde et pas moins de 2 300 000 morts en Europe. Je pense qu'il est important d'avoir aussi aujourd'hui une pensée pour toutes ces personnes qui, après avoir subi les affres de la guerre, furent confrontées à un ennemi invisible, à cette nouvelle maladie qui était la grippe espagnole. Pour faire le lien avec aujourd'hui, nous subissons aujourd'hui aussi une épidémie dangereuse et c'est pourquoi je profite de ce moment-là pour vous demander de faire attention à vous, de faire attention aux autres et de manière très simple, de bien respecter tous les gestes que l'on dit barrières pour éviter la contagion et la continuation de cette épidémie. Donc pour terminer, soyez prudents, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée.